Nous sommes avec Jean-Claude Lardinois, auteur bien connu de la région d'Avray. Hein. On sait que c'est un auteur qui avait sorti un livre sur l'histoire, je dirais, religieuse de notre région, avec notamment un livre consacré à un curé. C'était Bruno Delaville, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bruno Delaville, le curé de Courcureur, qui va sur ses 90 ans et qui marque sa région. Hein. Oui, tout à fait. Alors maintenant, tu viens de sortir un livre intitulé « Trouble jeu ». Ça raconte quoi? Alors, Trouble jeu, c'est un roman sentimental, à suspense, donc déjà c'est un élément important, qui va expliquer une histoire d'amour entre une dame qui est professeure de littérature et un de ses étudiants. Donc ils ont plus de 20 ans d'écart, mais bon, il y a la cristallisation qui va opérer, et ça on ne peut pas expliquer. L'histoire d'amour va se développer, mais il y a un élément perturbateur qui va venir dans l'histoire. Alors c'est un livre qui se vend, c'est un livre qu'ils ont sur internet, format papier, c'est comment? Oui, en fait on peut le trouver sur internet, sur un site bien connu qui est Amazon, où d'ailleurs il est dans le top 100 depuis 42 jours, sur 3 mois. On le trouve également via mon site internet, Jean-Claude Lardinois auteur, ainsi que dans les bonnes librairies. Donc par exemple actuellement je peux déjà confirmer qu'il est chez CNC à Mons, chez Literat à Hatt. Il sera dans quelques jours chez Decalonne à Tournai et chez Molière à Charleroi. Question toute simple, tu participes au Salon du Livre de Mons? Oui, je participe au Salon du Livre de Mons, où je vais également donner une conférence sur la littérature populaire, donner des dédicaces bien entendu, rencontrer le public qui pourra repartir avec une photo souvenir. Et je vais également donner en cadeau un des poèmes que j'écris quand j'avais 17 ans et qui fera partie d'un recueil qui sera publié pour les fêtes de fin d'année.